Seigneur Dieu notre Père, nous te disons grandement merci pour le message que nous voulons imprimer dans la vie de l'humanité entière. Il y a des gens qui nous suivent de partout dans le monde. Je voudrais que ce message soit raciné dans nos cœurs afin que cela produise des fruits dignes. Papa, merci parce que nous voulons parler de toi. Je voudrais que la parole de Dieu me soit accordée maintenant. Que je ne parle pas de moi-même, que je parle rien que la parole de Dieu. Que tu sois béni au nom de Jésus notre Seigneur. Oui, chers frères et sœurs, nous voulons partager une écriture que j'aime beaucoup. Ce sont les premiers mots que l'homme a entendus de la bouche de Dieu. Ce sont les premières paroles qui sont sorties de la bouche de Dieu après la formation de l'homme. Je lis dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 27 au 28e verset. La Bible dit ceci. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu le bénit et Dieu leur dit. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur l'animal qui s'émet sur la terre. Dieu a béni l'homme et la femme, il leur avait dit, soyez féconds. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons, ce sont les premières paroles que l'homme, après sa formation, a entendues. La Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image, c'est comme au singulier. Mais à la fin de ce verset 17, il créa l'homme et la femme. Cela veut dire que la femme, en fait, était cachée à l'homme. Voilà pourquoi lors de la formation de l'homme et de la femme, la Bible dit que l'homme était endormi et Dieu a soutiré le côte qui a formé sa femme. Donc, quand à la création, l'homme et la femme furent créés en même temps. Mais lors de la formation, l'homme a été formé le premier et la femme a été formée comme la deuxième personne. Mais ce qui m'intéresse ici, la Bible dit, Dieu le bénit. Voilà la pensée de Dieu. Dieu n'a pas créé l'homme pour la malédiction. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il soit bloqué. Dieu a créé l'homme pour qu'il soit béni. La pensée de Dieu, c'est de bénir l'homme. Donc, si nous allons échouer dans ce monde, ce n'est pas la faute de Dieu. Si la malédiction peut nous suivre, ce n'est pas la faute de Dieu. Moi, je pense que la pensée de Dieu à ce que l'homme soit richement béni. Et il commence à dire ceci. Il dit, soyez féconds. Ça, c'est la responsabilité. Ça, c'est la mission que Dieu avait donnée à l'homme. C'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui forme et c'est Dieu qui envoie. Il dit, soyez féconds. Donc, quand Dieu a appelé l'homme, il lui dit, soyez féconds. Or, dans la fécondité, je disais souvent que non, il n'y a pas de fécondité s'il n'y a pas la semence. C'est la fécondité qui va affronter maintenant la multiplication. Et c'est la multiplication qui fera que la terre soit remplie. Donc, le verbe multiplier va affronter le verbe remplir. Et le verbe remplir va affronter maintenant le verbe assujettir. Et celui-là va affronter la domination. C'est-à-dire que non, le plan de Dieu à ce que l'homme domine. Voilà pourquoi il a dit, soyez féconds. Dans la fécondité, il y a la semence qui accomplira la mission. Cela veut dire quoi? Toute sémence qui n'est pas sémée n'accomplira pas la mission. Mais la sémence sémée en l'homme, c'est ce qui accomplira la mission. Et vous allez comprendre que Dieu n'a pas laissé quelqu'un à côté. C'est toute personne qui est porteur d'une sémence. La sémence ici, nous pouvons prendre comme le talent de l'homme. Et quand nous lisons dans le livre de Matthieu chapitre 25, à commencer par le verset 14, vous allez comprendre qu'il y a une parabole où Jésus avait dit un homme est parti dans un long voyage et il avait trois serviteurs. À l'un, il a donné cinq talents. À l'autre, il avait donné deux ou trois. À l'autre, un seul talent. Donc, il voulait voir la multiplication quand il reviendra. C'est ça. Ce que Dieu attend de l'homme, c'est la multiplication. Or, on ne peut pas multiplier si on n'a pas sémé ce qu'on a reçu. Vous aviez dit que les deux premiers ont fructifié cela. Ils sont partis fructifier ce que le maître leur avait donné.
Mais le dernier, il dit non, moi je connais, toi tu es un maître méchant, tu es dur, tu es comme ça. Il a commencé à flatter le maître. Donc quand Christ reviendra, il ne cherchera pas en fait le flatterie. Tu peux l'appeler Jéhovah Shammah, Jéhovah Jireh, Jéhovah ceci. Mais qu'est-ce que tu as fait avec ce qu'il a placé en toi? Qu'est-ce que tu as fait avec ce qu'il t'a donné? Le talent que tu as, le talent de parler, le talent de crier, le talent de prêcher, le talent de prier, le talent d'intercéder. Qu'est-ce que tu as fait avec ce talent-là? C'est ce qu'il viendra en fait demander. C'est ce qui fera que la mission soit accomplie. Tu peux être fécond, c'est vrai, tout homme est fécond. Donc il y a la sémence. Mais si cette sémence n'est pas libérée, il n'y aura pas la multiplication. Si la multiplication n'est pas là, tu ne peux pas en fait assujettir. Si tu ne parviens pas à assujettir la terre, à multiplier la terre, tu ne peux pas assujettir, tu ne peux pas aussi dominer. Or que dans le plan de Dieu, à ce que l'humanité domine. Mais nous voyons aujourd'hui le contraire. Nous sommes dominés même par les conquérants. Nous sommes dominés par les moustiques. On a même peur des chats. Parce que nous avions en fait perdu cela à cause de la désobéissance. Moi, je pense que dans cette parabole de talent, vous allez remarquer que non, celui qui avait 5, il a fructifié cela et il avait maintenant 10. Donc l'autre qui avait 3, il avait maintenant le double de ce qu'il avait avant. Ce que Dieu attend à l'Église, ce que Dieu attend en nous, serviteurs de Dieu, ce que Dieu attend en nous, filles de Dieu, c'est la multiplication. En nous, il y a la sémence. En nous, il y a l'évangile. En nous, il y a la connaissance. En nous, il y a beaucoup de choses que Dieu nous accorde quand nous venons à l'Église de Dieu. Dieu nous parle. Mais c'est une sémence. La Bible dit que la parole de Dieu est une sémence. Mais c'est ça la fécondité. Donc, nous devenons déjà féconds. Il suffit simplement de prendre cette parole et mettre en pratique cette parole et fructifier cette parole, et si la multiplication viendra. Quand la multiplication est là, il y a ce qu'on dit, on devient nombreux, on va remplir. Vous savez, c'est un peuple qui est nombreux, c'est un peuple qui est fort. Et maintenant, on va assujettir et on va dominer. L'Église doit dominer sur la terre. Mais est-ce que nous avons les gens qui multiplient, parce que l'opération que Dieu aime, Dieu ne fait pas souvent la division, Dieu n'est pas pour l'addition, Dieu n'est pas pour la soustraction, mais notre Dieu est pour la multiplication. Même à l'église, quand nous venons à l'église, ce n'est pas le prier en langue, ce n'est pas monter à la montagne qui ta poche sera fructifiée. Quand nous venons avec les offrandes, nous venons, nous sémons à l'église. Et c'est ce qui va appeler la multiplication. Prenez ce qui s'est passé dans les temples. La Bible dit qu'avec les disciples, Jésus leur pose la question, mais ce peuple a faim. Qu'est-ce que vous avez? Donc, nous devons avoir quelque chose. Si vous n'avez rien, sache que tu n'auras rien. Parce que chaque chose, tout chiffre multiplié par 0 égale à 0. Jésus leur pose la question. Parce que dans la pensée de Jésus, il avait la pensée de la multiplication. Qu'est-ce que vous avez? Pour qu'il y ait la multiplication, il faut avoir quelque chose. Il faut avoir la sémence. Et ils ont dit, nous n'avons pas grand-chose pour autant de personnes. Nous n'avons que 2 poissons et 5 pains. Jésus, amenez-moi. Parce que cela suffit pour la multiplication. Et quand tu l'avais donné, il a prié. Ce n'était pas l'addition. Ce n'était pas la division. Ce n'était pas la soustraction. C'était la multiplication. Ce sont les paroles qu'il a béni l'homme dans Genèse. Et il y avait la multiplication, les gens ont mangé, il y avait même le reste. C'est ce que Dieu attend de nous. Bien-aimés, nous devons multiplier ce qu'il nous a donné. C'est ça le message que je voulais en fait vous transmettre aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Je peux prier pour vous. Seigneur, je te dis merci pour ce message. Que nous soyons tous des gens qui vont multiplier. Quand nous venons à l'église, Seigneur de gloire, c'est pour recevoir la sémence. Et que cette sémence, nous devons la fructifier pour qu'il y ait la multiplication. La multiplication fera que nous remplissions là où nous sommes. Et quand l'endroit est rempli, on va assujettir. Et après ça, nous allons dominer. La domination vient après le processus quand la sémence que Dieu a mis en nous est semée. Et quand il y a la multiplication, nous allons remplir. Et après, nous allons assujettir, après dominer. Dieu nous a appelés à cela. Que Dieu vous bénisse.